Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter ces jolis chaussons. Bébé, je suis désolée pour mes ongles parce que j'ai enlevé le vernis noir, et du coup là je suis en phase de soins des ongles, donc faites pas attention. Alors voilà, j'ai fini le fil que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente avec un bonnet. Je voulais absolument terminer ce fil et là je l'ai terminé avec les petits chaussons, comme ceci et comme cela. J'adore. Là, j'ai tout fait avec le crochet, les petites applications, enfin les fleurs. Certes, ils ne sont pas tout à fait de même couleur, les chaussons, parce que c'est un fil à nuances et je n'ai pas pu gérer tout jusqu'au bout. Et puis ici, j'ai fait cela avec des pompons. Comment faire ces chaussons? Vous savez, il y a déjà une vidéo qui présente comment les faire. Je vous mettrai en barre d'infos ou bien dans cette même vidéo, je vous mettrai le lien vers cette vidéo. Ou bien à la fin de cette vidéo, vous allez voir la vidéo référence de ces petits chaussons. Sinon, la taille, ça fait... sur internet, j'ai trouvé que ça fait de 0 à 3 mois parce que la semelle, elle fait 9 cm. Comme vous pouvez voir ici, ça s'étire un petit peu plus sur le petit... talon, mais normalement c'est ça la semelle qui fait 9 cm. Là j'ai des pieds un petit peu plus gros, donc voilà, ça doit être un peu... Je vais vous montrer sur un autre. J'ai un autre petit truc comme ça. Sinon je pense que ça doit faire à la taille 15 parce que j'essayais souvent sur les petites baskets que j'ai achetées chez Monoprix. Et voilà, voyez, ça fait plus joli comme ça, ça fait un peu plus bombé comme les vrais pieds de bébé. Ensuite vous pouvez tourner le rebord ici. Et voilà, vous avez votre petit chausson très mimi. Donc voilà, si vous voulez, je vous explique en bref comment je les ai faits. Sinon, en détail, vous allez voir ça sur dans une des vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai utilisé les aiguilles de numéro 2,5 et 3 mm. J'ai commencé par tricoter avec les aiguilles de 3 mm, tout simplement parce qu'on commence à tricoter par la semelle. Donc la semelle, j'ai tricoté sur deux aiguilles en montant 12 mailles au départ. J'ai monté 12 mailles ici et j'ai continué à tricoter pendant 23 rangs avec mes aiguilles numéro 3. Ensuite, une fois tricoté, j'ai monté les mailles tout le tour du rectangle, sachant que j'avais déjà 12 mailles montées sur une aiguille, et j'avais donc à monter les autres côtés. Et chaque côté doit avoir 12 mailles pareilles comme le premier. Ensuite, j'ai marqué donc le début du rang avec mon épingle marqueur, et j'ai commencé à tricoter à 5 aiguilles tout autour de ce petit chausson pendant 7 rangs. Donc ça, on a fait notre petit rebord. Notre petite montée. Donc après avoir tricoté les 7 rangs, un point de jersey, comme vous pouvez voir, et le point de jersey sur 5 aiguilles, c'est toujours les mailles à l'endroit, tout simplement. Là, c'est pareil, c'était le point de jersey, toujours à... Si vous voyez, en fait, le chausson, il est fait uniquement en point de jersey et point de côte 1 sur 1. Donc voilà, j'ai continué pendant 7 rangs en point de jersey. Ensuite, j'ai gardé mes devants et le dos du chausson avec 12 mailles, et les côtés, j'ai commencé à réduire jusqu'à 6 mailles. Donc tout simplement, cette diminution consistait enfin pour former votre petit devant. Donc vous réduisez vos mailles de chaque côté jusqu'à ce que vous obtiendrez 6 mailles. Je suis désolée, maintenant il y a des travaux. C'est dingue. Une fois que vous avez terminé, voilà, vos diminutions, faites attention pour ne pas avoir des trous justement ici aux diminutions. Vous tricotez un rang simple et puis vous passez aux aiguilles de taille inférieure, donc 2,5 mm, et vous tricotez un point de côte 1 sur 1 pendant 19 rangs et au 20e vous rabattez les mailles. Voilà, c'est tout facile à faire, enfin c'est facile, je vous explique ça rapidement comme ça. Sinon, tous les détails, comme je vous ai dit, vous trouverez dans les vidéos jointes à celle-ci. Et voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. J'espère que cette vidéo de présentation de ces beaux chaussons vous a plu et que vous allez réussir aussi les vôtres. Sur ce, gros bisous à tous et à très bientôt, ciao.